Toi, quelle est la tribu selon toi la plus perverse au Cameroun? Je dirais que la tribu la plus perverse au Cameroun, ce sont les bétis. C'est impossible de voir comment vous vous comportez. Les asticots qui viennent ici, hein, tu me plais. Je te plais, tu es sûr que toi tu me plais. Salut les amis, alors aujourd'hui nous avons rencontré les gens en route et nous leur avons posé la question de savoir quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun. Vous aussi vous pouvez donner votre avis en commentaire. Je vous remercie et je vous invite à regarder juste derrière. Et nous aimerons savoir, selon vous, quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun? Je n'en sais rien, perverse. Dans le langage, dans la façon de parler, en fait la tribu la plus mal élevée, si tu veux que je dise comme ça. Il n'y en a pas. Les Camerounais, en réalité, ça va, c'est bon, ils sont parfaits. Ils font tout ce qu'on a fait. Je te remercie. De rien. Selon toi, quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun? Selon moi, la tribu la plus perverse au Cameroun, oui, ce sont les Bagantés. Que je n'ai jamais ignoré. Les Bagantés. Oui. Et pourquoi ça? J'ai la confirmation, pas mon entourage, mes proches, non. Oui, mm-hmm. Tu confirmes que pour... Alors, c'est grave, il n'y a rien magie, à faire. C'est la magie, pas... On a bien fait l'amour. Les bonnes pratiques au lit, est-ce que tu les fais? Dans les façons de faire... Tout, ils sont pervers. Oui. Donc, les Bagantés, alors, ça, c'est terminator. Je te remercie. Et nous aimerons savoir, selon vous, quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun? Ben, moi je connais aucun. J'ai vu le haut niveau de la sorcellerie. Vu que je viens d'arriver au pays comme ça il y a 3 mois, mm-hmm, je crois. Donc voilà, j'en sais rien. Mais en réalité, quand tu, de là où tu étais quand même, tu côtoyais les Camerounais. Tu savais qu'il y a les différentes tribus au Cameroun. Et selon toi, tu penses que ça va, le Cameroun, ils sont très bien éduqués? Ouais, ouais, ils sont très bien éduqués. Ouais. Oh merde, sale petit nul. Aïe, mon dos. Je te remercie. Okay, merci. Nous aimerons savoir, selon vous, quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun? Ce sont les Bassas. Hein. Les Bassas? Oui, d'accord, les Bassas. Pourquoi ça? Ils sont trop sauvages. Ils sont trop sauvages. Ils sont trop sauvages. Dans quel sens? Bon, déjà, je prends par exemple homme comme femme. Oui. Les femmes, elles sont perverses. Oui. Elles aiment trop parler du sexe n'importe où. Je suis avec un jeune de 17 ans, même s'il a même 10 ans. La personne arrive là comme 5 coups, comme ça, tu es capté, je me pète mon cou. Ça balance dans tous les sens là. Tu vois, même quand on est en réunion familiale, j'ai des sœurs qui ont des camarades là, elles amènent. Voilà. Tu vois, lancent les bêtes sujets, du sexe. C'est, en fait, c'est dans le sang quoi. C'est dans le sang. Dans le sang. Et les hommes alors, ouh, c'est grave, les hommes, ils aiment trop le sexe. Ils aiment trop le sexe. Ça, c'est ce côté que je n'aime pas sur eux. C'est les Bassas? Oui. Je te remercie, ma chère. Ok, merci. Nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube qui fait des milliers de vues. Ah ouais. Et nous aimerons savoir quelle est la tribu la plus perverse, selon toi, au Cameroun. La tribu la plus perverse. Pour moi, ce sont les Yaoundé. Les Yaoundé. Ah oui, les Et Yaoundé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les Yaoundé sont trop pervers, sauvagerie, c'est eux. Nous, on n'a pas gros cul. Nous, on a con. My God, c'est eux. On globalise complètement avec les Yaoundé. Ouais. Insultes. Imbéciles, méchantes, bande de cons et de connards. Je vous emmerde dans les emmerdements. C'est tout, sois juste. Bon. D'accord, donc en réalité, selon toi, ce sont les Yaoundé qui représentent la tribu la plus perverse. Selon moi. Je te remercie, mon frère. Selon toi, quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun? Les Yaoundé. Hein. Les Yaoundé? Ouais. Et pourquoi ça, les Yaoundé? C'est parce qu'elles sont perverses. Elles aiment un peu du coup la débauche. Oui. Ouais, l'exagération. L'exagération. Ouais, alcool, en ce qui concerne l'alcool, le sexe. Je suis à ma 4e verre de champi. Après, un peu de tout, quoi. Donc, chez eux, il n'y a pas de sujet tabou? Non. Pas de message. Je te remercie. Il a essayé de côtoyer un peu des Yaoundé, mais vraiment, je n'en ai pas trouvé. D'accord. Oui, oui.
Ils sont tous les mêmes, en fait. Ils sont tous les mêmes. D'accord. Je te remercie. Ok. Et nous aimerons savoir quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun, selon toi. C'est compliqué. Je trouve ce comportement très puéril. Selon toi, la tribu que toi, tu sens que vraiment, ils sont les plus pervers. Dans le langage, dans la façon de faire, même dans la façon de s'exprimer. Ça ne vient pas. Aucune tribu. Donc tout le monde, ça va, c'est bon, il n'y a pas de souci. Au Cameroun, en fait, il n'y a pas de gars pervers. Bon, il y en a, ça dépend. Ça dépend. Ou bien c'est indépendant de la tribu. Indépendant, en fait. Il n'y a pas une tribu qui excelle, donc déjà, ils sont vraiment pervers. Okay. Lui là, c'est un menteur. C'est un menteur. Okay. Je te remercie. D'accord. Et nous aimerons savoir, quelle est la tribu selon toi, la plus perverse au Cameroun? Je dirais que la tribu la plus perverse au Cameroun, ce sont les Bétis. Les Bétis. Mais pourquoi? Dans le centre en général. Oui. Et pourquoi ça? Parce qu'ils ne disent jamais des choses inutiles, même dans leurs chansons, c'est toujours à parler des mots pervers, sans, dans des mots qui n'éduquent pas, non éducatifs, et je crois qu'ils s'habillent très mal. Oui. Donc pour toi, ce sont les Yaoundé, les Bétis qui représentent la tribu la plus perverse. Oui. Je te remercie, Yao. Ok, merci. Pour savoir, selon toi, quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun? J'espère que ça va passer à la télé. Comment ça, mon frère, ça? C'est YouTube. Ça va passer sur quelle chaîne? YouTube, c'est sur YouTube. D'accord, on va. D'accord. Moi, c'est Yaoundé. Mais pourquoi? Ah, les Yaoundé sont sauvages, frère. La fois passée, sorti avec Yaoundé, elle m'a touché la cocotte. Nah. Elle dit le mot pervers, le gros mot, l'envoie, tu le comprends? J'ai encore toutes mes facultés. Je fais tout comme les jeunes. Je me courbe comme les jeunes. Je me lève comme les jeunes. Je soulève comme les jeunes. Je pine plus que les jeunes. Vous... Rien, non, pour moi, oui. Yaoundé, non, c'est la finition. Elle n'a pas de rival. Elle n'a pas de rival. C'est le seul que quand tu es sûr de dans les mots, tu oublies même que c'est ta soeur. Oui. Oui, donc moi, c'est Yaoundé, mon frère. D'accord. J'espère qu'on peut m'en vouloir, non, papa, mon non, point de vue. Je crois que les abonnés vont donner leur avis. Bonjour les abonnés. Je te remercie. Merci, frère. Nous aimerons savoir, selon vous, quelle est la tribu la plus perverse au Cameroun? La tribu la plus perverse au Cameroun... Moi, je dirais, en mon humble avis, les Bétis. Les Bétis, oui. Dans le centre en général. Oui. Et pourquoi ça? Expérience, mauvaise expérience, ou bien c'est le quotidien qui te fait dire ça? En fait, le quotidien. Le quotidien. Oui. Donc, tu as côtoyé beaucoup de Bétis et tout. Et voilà, selon toi, ce sont eux? Oui. Parce que chez eux, il n'y a pas de sujet tabou. Ils parlent de sexe, de tout. En fait, juste parce que chez eux, ils ne savent pas quoi dire en public et quoi faire en public, oui. En présence de beaucoup de monde. Bref, ils n'ont pas de retenue. Ils n'ont pas de retenue. Oui. D'accord. Je te remercie. Merci. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et même si elle ne vous a pas plu, notez en commentaire toute imperfection que vous avez rencontrée au long de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.